السلام عليكم مازال في اللون. بونجور. J'aime à évoquer le souvenir de trois Algériens, aujourd'hui disparus, Rabbi Rahman, qui portent tous trois le nom de Mohamed, qui appartiennent tous trois à la même génération et qui, tous trois, ont été enterrés loin de leur terre mère, l'Algérie. Ce pays qu'ils ont pourtant tant aimé, qu'ils ont tant servi, qu'ils ont honoré. Les trois auraient demandé à ne pas être enterrés dans le pays de leurs ancêtres, parce qu'ils y auraient été cruellement blessés, outragés. Il s'agit de Mohamed Dhib, Mohamed Khalouet, plus connu sous son nom artistique de Cheikh Lasnaoui, et de Mohamed Arkoun. Aujourd'hui, nous évoquerons le souvenir de Mohamed Arkoun Arbiram. Sa fille, de son premier mariage, vient de publier une biographie sur lui et elle a organisé, avec Gilles Kepel, une rencontre à l'Institut du monde arabe à Paris pour y faire connaître son livre. Mohamed Arkoun n'est pas à présenter en fait. Cet intellectuel de renom mondial, historien de l'islam et de la pensée islamique, philosophe, universitaire de haut vol dans de prestigieuses et nombreuses universités. Ses titres, ses distinctions, les honneurs qui lui ont été rendus sont trop nombreux pour être énumérés ici. Mais en plus d'honneurs insignes qui lui ont été rendus par des chefs d'État, j'aime personnellement à énumérer celui modeste, mais ô combien émouvant, qui convient le plus à sa mémoire. La bibliothèque municipale du 5e arrondissement de Paris porte son nom. La biographie que lui a consacrée donc sa fille et la rencontre qui a été organisée à cet effet à l'Institut du monde arabe a néanmoins posé quelques questions, comme celle de la fameuse polémique entre l'imam Mohamed el-Ghazali, le clash ou polémique, on l'appellera comme on voudra. Et le deuxième problème a été l'intervention de Gilles Kepel à cette rencontre, qui a un peu organisé cette rencontre, qui l'a dirigée, qui l'a modérée, si on veut, à sa façon, modérée entre guillemets. Et il aurait fait une déclaration fracassante, qui a été relevée par de nombreux présents, que tous les habitants de Bni Yenni, de la branche des bijoutiers, seraient des descendants de juifs séfarades installés dans la région depuis la Reconquista. En soi, l'information n'est pas choquante, puisqu'il y a d'actuels Algériens musulmans qui sont d'origine juive, ils sont islamisés, leurs ancêtres, il n'y a aucun souci. Mais le fait d'asséner une telle contre-vérité, sans aucun, qui s'appuie sur aucun argument scientifique, historique, anthropologique, laisse rêveur, laisse songeur et laisse surtout, soulève surtout cette question de cette jonction que tentent de provoquer les tenants du congrès mondial à Mazir avec un certain sionisme, pour dire les choses comme elles doivent être dites. Donc cette allégation qui ne repose sur aucun argument historique, qui n'a jamais été revendiqué par Mohamed Arkoun vivant, sonne un peu comme une musique bien orchestrée dans cette partition qui cherche à rallier les Amazirs d'une manière générale et un certain milieu occulte parisien, surtout sioniste. Rappelons que Gilles Kepel enseigne à l'université de Tel Aviv, pour simple indication. Aujourd'hui, Huffington Post, Sylvie Arkoun, auteur, travaille dans le domaine de la joaillerie, les vies de Mohamed Arkoun. Al-Watan, parution biographie de Mohamed Arkoun par sa fille, un savant de pair. Et Kalima DZ, un article particulièrement sévère sur justement cette rencontre. Une rencontre débat à Lima, désinformation sur monsieur
Arkoun, sur Kalima DZ, je rappelle. Nous allons d'abord voir une courte vidéo. Personnalité. J'ai hésité vraiment à me lancer dans l'écriture et ce qui m'a décidé, c'est quand le père Maurice Bourmans m'a envoyé la correspondance qu'il a échangée avec mon père de 1954 jusqu'à 2000. C'était vraiment des amis de longue date, ils s'étaient rencontrés à Alger quand ils étaient étudiants tous les deux. Et ça m'a vraiment tellement émue de voir la trace de ces échanges entre mon père et ce père blanc auquel mon père était fortement attaché, car c'est eux qui lui ont donné son éducation à l'école dans son village kabyle, que ça m'a vraiment incité à écrire ce livre. Vous venez donc d'entendre la Sylvie Arkoun, la fille de M. Arkoun d'un premier mariage, qui insiste sur le fait que, en quelque sorte, que M. Arkoun a été formé par les pères blancs. Alors qu'il est de notoriété publique que beaucoup de penseurs algériens, musulmans, sont passés par les écoles de Père Blanc qui enseignaient l'école laïque, rappelons-le, hein, qui n'enseignaient pas de, faisaient pas de catéchisme. Hein. Et donc, ça semble un peu louche dans sa bouche, cette histoire, rajoutée aux déclarations de M. Arkoun. Sinon, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Sadq Sellem, historien de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. Sadq Sellem, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous avez entendu parler donc de cette conférence, vous y avez été? Oui, j'ai été parce que Sylvie Arkoun a eu l'amabilité de m'inviter après m'avoir envoyé un exemplaire de son livre, et parce que je l'avais aidé autant que j'ai pu, oui, au moment où elle préparait. Et il n'y avait pas eu véritablement de débat, parce que des sorties comme celle de Keppel, qui avait été la semaine d'avant pour la première fois de sa vie en Kabylie, la Kabylie est très riche historiquement, ethnographiquement, culturellement, et la seule rumeur qui a attiré son attention et qui l'a répercuté devant une assemblée assez savante à l'Institut du monde arabe, c'est cette prétendue origine juive des bijoutiers de Beni Yenni. Et en Algérie, il aurait été beaucoup plus direct, là, en petit comité, il a dit « Je viens de trouver que Arkoun est d'origine juive ». Alors, c'est assez curieux, oui, comment il ne retient que cet aspect des choses. Ensuite, Sylvie Arkoun, là, vous venez de rediffuser une de ses interventions qui met l'accent sur l'influence des pères blancs. Dans certaines émissions, elle veut faire de son père un pur produit des pères blancs, oui, uniquement parce qu'il a fréquenté le collège privé des pères blancs à Etlarba, qui a été fréquenté par toute l'élite kabyle, voilà, Moussdir, etc., qui était un, oui, des officiers de l'Aïlan. Ils ne sont jamais christianisés. Et vous avez dans la mémoire collective une confusion fâcheuse entre Smaïl Mahroub, qui, oui, a été vraiment converti, oui, et son ami Arkoun, qui avait failli apprendre tout le Coran par cœur quand il était en Kabylie, qui n'a jamais été converti. Oui. Donc, si vous voulez, les gens sont sortis avec cette impression très mitigée de cette réunion du 30 septembre 2014 à Lima, avec deux cartes de visite là, qu'on veut faire à Mohamed Arkoun. Un, il est le pur produit des pères blancs selon sa fille. Il serait d'origine juive selon Keppel. Et donc c'est le meilleur moyen de lui fermer les portes du monde musulman, alors que monde musulman a besoin de l'œuvre d'Arkoun pour rénover la pensée musulmane. Alors là, en l'occurrence, je voudrais souligner que le MAC, pour le citer, dans son discours prosélyte en quelque sorte, c'est disponible sur YouTube, il y a des centaines de vidéos, où Farhat Mehenni entre autres, affirme la judéité du peuple kabyle, il affirme que les kabyles descendent des juifs, etc., sans autre argument scientifique, anthropologique, historique, rien du tout. Et le plus étonnant, c'est que, d'abord, Gilles Keppel, que fait-il dans ce genre de... Est-ce que c'est parce qu'il se fait passer pour un grand penseur musulman, pour un chercheur sur l'islam, etc.? Est-ce qu'il est là pour faire jonction entre... C'est Paul qui se cherche d'indépendantistes extrémistes berbéristes
et du sionisme parisien. Quelle a été votre impression sur l'intervention de ce monsieur Kepel et de la façon dont il a tenté de modérer, disons, les débats, puisque vous dites qu'il n'y a pas eu de débat du tout, en fin de compte? Ah, pas du tout, non. Il a lui-même est sorti de sa neutralité, il a orienté les débats, il a multiplié les digressions, les commentaires, qui étaient parfois presque aussi longs que les interventions de Bormans et de Joseph Maïla, etc. Mais si on devait pratiquer le procès d'intention qu'il pratique, lui, à l'intention des musulmans depuis 30 ans, on ferait les déductions là que vous suggérez, mais moi, je le fais pas, parce que ce monsieur ne m'intéresse pas. Parce que il a écrit je sais pas combien de livres, on cherche vainement le nom d'Harcourt dans ses livres, il l'a jamais cité. Très bien. Il s'est jamais intéressé à lui, et Harcourt lui-même l'a critiqué publiquement quand il a publié Les banlieues de l'islam, qui est un livre de désinformation à partir d'archives de surveillance, comme on dit, de tout sécuritaire sur l'islam. Il a voulu faire croire à l'imminence d'un grand soir islamiste, et il ne cite aucun intellectuel parmi les dizaines d'intellectuels musulmans qui vivaient en France depuis un siècle. Et Harcourt lui a fait la remarque publiquement, c'est quand même curieux qu'on prétend informer sur l'islam en France sans citer aucun intellectuel. Et en tout cas, Harcourt n'était pas cité. Alors, donc on peut s'interroger sur les mobiles. Si vous voulez, Kepel, j'ai cessé de le prendre au sérieux depuis que j'ai lu attentivement Les banlieues de l'islam, parce qu'il est sorti la même semaine que mon livre, et il m'en veut un peu pour ça, parce qu'il a été faire le tour des salles de rédaction, l'orientalisme était en crise, il y a péril en la demeure, il n'y a que moi qui suis en mesure d'étudier ce fait nouveau, mais mon livre est sorti une semaine avant le sien, ça a été une de ses surprises. Et j'ai jamais eu de conflit avec lui, mais il semble m'en vouloir depuis cet épisode, mais j'ai lu attentivement, et j'ai des conclusions concernant quelqu'un comme Hamidullah, qui avait toute sa carrière au CNRS, oui. Et Kepel en parle, mais pour en faire un frère musulman proche des Syriens, et qui aurait été le maître à penser d'une génération d'activistes, même traitement pour Malek Ben Nabi. Et ce passage des banlieues de l'islam concernant Hamidullah, qui était en France depuis 1932, il n'a jamais mis les pieds dans un poste de police, ce passage lui a valu un interrogatoire de 4h30 par la DST, qu'il a déshabillé à son retour du Pakistan. Vous vous rendez compte. Le livre est devenu le manuel de plusieurs polices, y compris la police tunisienne, qui a enfermé l'ancien président, qui a condamné à 5 ans de prison l'ancien président de l'Association des étudiants islamiques de France, qui était un piétiste proche du Tablir. Mais quand ils ont su qu'il avait été à l'AUIF, et tenant compte des mensonges de Kepel sur l'AUIF, il a été condamné à 5 ans de prison. Donc la prose de Kepel a pour premier effet de mettre en danger la sécurité des personnes qu'il cite sans bien les connaître. C'est dit, Le Nouvel Observateur, je termine en disant qu'après l'apparition de ce tissu de désinformation qu'est les banlieues de l'islam, il a donné une interview au Nouvel Observateur, là où Jean Daniel était très bienveillant avec lui parce qu'il partageait sa islamophobie. Il a prétendu que les librairies islamiques du 11e arrondissement vendaient des exemplaires des protocoles des sages de Sion. Ça a valu à ces petites librairies des perquisitions de la police, ouais. Qui naturellement n'a trouvé aucun exemplaire, et ces libraires n'avaient jamais entendu parler de ce livre. Donc c'est sorti de l'imagination de Kepel. Donc c'est ce monsieur qui a modéré cette biographie sur un grand penseur de l'islam, un islamologue mondialement connu. Mais je voulais vous dire, sur l'article paru sur Kalima DZ, l'auteur nous apprend que la fille de monsieur Harcourt, traité de cette histoire de Mohamed Ghazali avec Harcourt, de ce clash, mais qu'elle n'a pas dit un mot sur la polémique, grosse polémique qui a fini dans le journal Le Monde, entre Harcourt et André Michel, au sujet du rêve, du projet de Harcourt de fonder un institut islamique à Paris. Est-ce que Absolument, vous pouvez nous en dire quelque chose? En mars 1989, oui. Et j'en ai parlé très longuement avec Harcourt,
parce que moi je soutenais ces projets de création d'un institut pour prendre en charge tous les problèmes éducatifs des jeunes musulmans. Il a été beaucoup plus blessé par quelqu'un qui se disait son collègue et ami André Michel, quand il lui a répliqué en le traitant pratiquement de roméniste et en lui disant on ne veut pas de cette vision des droits de l'homme chez nous. Et le chez nous a beaucoup blessé Harkoun. Il disait en privé, il me semble de rentrer dans mon gourbi. Mais oui, en lui rappelant son origine étrangère. C'était presque du... Le Pen ne pouvait pas aller au-delà, mais le but, c'était de saboter le projet d'institut d'Harkoun qu'il a proposé à partir de l'affaire Rushdie au moins une demi-douzaine de fois. Sylvie Harkoun est venue me voir, je lui ai donné tous les documents. Moi, je peux publier un gros livre que sur ces sabotages, mais je soupçonne son éditeur, les Puffs, ou Gilles Kepel, le directeur de la collection qui a publié ce livre, d'avoir trituré le texte, parce que moi je lui ai donné tous les sabotages, Jospin, Allègre, Benchir, Michel, Henri Tinck, là, qui faisait alliance avec Gilles Kepel lui-même dans Le Monde pour mettre en garde contre les projets d'Harkoun, en le nommant ou sans le nommer, et tout ça a été censuré. Sylvie Harkoun devait publier chez Albin Michel, et elle se retrouve entre les mains d'un manipulateur comme Kepel. Moi, je n'ai pas le temps de vérifier, mais je suppose qu'il a manipulé le manuscrit en retirant le nom de Michel, à qui il doit sa promotion. Alors, concernant le clash avec le Cheikh El Ghazali, il y a des journalistes algériens, arabophones, pour la plupart beaucoup plus courageux que ceux de Liberté, qui font une pub plus ou moins gratuite à Kepel quand il va là-bas. Oui. Et Kepel est le seul visiteur du Salon du Livre, où vous avez des dizaines, voire des centaines d'auteurs, c'est le seul qui convoque une conférence de presse. Les télévisions, il a une relation maladive aux médias. Et ils ont surmédiatisé, ils ont surmédiatisé ses visites, de toute façon, à chaque fois. C'est lui qui prépare avec ses petits réseaux là, de berbéristes, plus ou moins laïcards, etc. Oui. Le cher, vous avez, heureusement qu'en Algérie, on a des gens courageux qui ne cèdent pas à ce genre de mode. Et vous avez des gens qui étaient présents au moment de ce manque de tact de Razali vis-à-vis d'Harkoun. C'est pas une excommunication. Il a manqué de tact seulement. Oui. Et il y a un numéro d'El Bassaïl qui a publié une demi-page là-dessus. Parce que le journaliste d'El Bassaïl était au journal Chab et était présent à l'hôtel de l'Orassi en 1984 et non pas à Bijaya en 85. Là, elle se trompe d'abord de date. D'accord. Et elle prétend, parce qu'elle ne sait pas où dire, et sans doute que Kepel a poussé dans le sens de cette caricature. C'est un livre caricatural à tout point de vue, et où elle prétend que Razali, qui avait l'asile politique, il était à peine toléré en Algérie, et il aurait expulsé définitivement Harkoun de son pays et ce dernier n'aurait jamais remis les pieds. Eh bien, c'est totalement faux. Il y a eu un épisode qui a déplu à Harkoun lui-même quand Cheikh El Ghazali lui a dit « Tu t'appelles Mohamed, est-ce que tu peux dire la profession de foi islamique à la tribune ?» C'est tout. Oui. Ça, c'est un manque de tact. El Ghazali aurait pu être un peu plus tolérant que ça. Oui. Mais on ne peut pas appeler ça excommunication, on ne peut pas appeler ça expulsion. Et le journaliste de Bassaïl révèle que Mouloud Kassem était là, l'ancien ministre des Affaires religieuses, qui a invité Harkoun à un déjeuner en présence de ses principaux collaborateurs quand il était au ministère. Il leur a dit Harkoun est le fils de l'Algérie, Harkoun est un grand penseur, il est l'invité de l'Algérie, quels que soient nos désaccords avec lui, il a droit à nos égards. Voilà. Et il a ordonné à ce journaliste de Cham de publier une longue interview d'Harkoun. Il l'a fait dans la semaine pour réparer un peu les torts réels causés psychologiquement et moralement par Razali, mais on ne peut pas appeler ça excommunication, on ne peut pas appeler ça expulsion. Et la version finale éditée par Sylvie Harkoun est un parti pris anti-scientifique et anti-historique. Moi, je comprends J'ai aidé Sylvie Harkoun, qui est très sympathique, parce qu'elle dit qu'elle ne connaissait pas son père. Elle a fait une enquête assez méritoire pour mieux le connaître.
elle s'est laissée aller à ce genre d'excès. Et heureusement qu'il y a des journalistes en Algérie qui sont là pour rétablir une partie de la vérité. Alors, laquelle Tebel semble fâché depuis très longtemps. Alors, comme il est fâché avec les études historiques. On nous a dit que les débats, aussi tant est qu'il y ait eu des débats lors de cette rencontre, auraient tourné autour de thèmes berbéristes extrémistes, comme le genre on ne doit pas dire Maghreb, on doit dire Afrique du Nord. Il a beaucoup insisté là-dessus, Kepel, oui. Oui. Et on ne doit pas dire Amazirité, on doit dire Berbérité. On doit dire Berbérité. Il l'a dit. Oui. Alors qu'en fait, berbère, tout le monde est d'accord là-dessus, vient du mot barbare romain, ça veut dire ceux qui sont en dehors du limès, ceux qui, ça veut dire qui n'ont pas droit de citer, c'est les barbares, ceux qui ne vivent pas comme les Romains, alors qu'Amazir est un terme générique qui désigne l'identité matricielle des habitants du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Eh bien, Kepel nous dit qu'il faut préférer l'appellation coloniale romaine à l'appellation des autochtones eux-mêmes. Et donc ça montre sa préférence pour tout ce qui est colonial. L'appellation Afrique du Nord à la place de Maghreb, c'est une appellation néocoloniale qui date de l'après-guerre au moment de l'Alliance Atlantique. Quand on a voulu faire croire que l'Algérie faisait partie de l'Alliance Atlantique, il y avait le projet d'Eurafrique pour que le Maghreb se tourne vers le nord de la Méditerranée au lieu de loucher vers l'Orient, qui était soupçonné d'être à l'origine de toutes les subversions. Oui, en fait, derrière ces faux débats, c'était une question idéologique très pernicieuse. Le fait de refuser le mot Maghreb, c'est se détacher tout à fait de... Parce que le Maghreb, ça veut dire que c'est l'Occident du monde arabe. Et donc, refuser ce terme générique de Maghreb et lui préférer Afrique du Nord, qui est une désignation géographique, ça sous-entend qu'ils veulent couper carrément toute relation culturelle et identitaire avec les pays arabes. Absolument. Puis c'est la prétendue origine juive là, des Kabyles. Donc il y a tout un arrière-plan idéologique, mais il ne faut pas oublier les calculs bassement matériels. Les PUF semblent avoir des difficultés financières, ce n'est pas une maison qui se porte très bien. Les PUF, c'est la maison d'édition. Ils auraient promis de renflouer les PUF par des contrats avec les éditeurs algériens. Presse universitaire française. Oui. C'est ça. Presse universitaire de France. De France, oui. Si vraiment Kepel voulait rendre service à Sylvie Harkoun, il l'aurait édité chez Gallimard, qui est son éditeur attitré. Ah, voilà. Il l'a amené au PUF, dont les difficultés financières sont notoires. Et quand vous savez, il y a beaucoup d'entreprises françaises là, qui ont essayé de signer des contrats en Algérie, alors que l'enquête montre qu'elles sont au bord de la faillite, et cherchaient à se sauver de la faillite par des contrats juteux avec l'Algérie. Justement, ce que veut faire Kepel avec les PUF, ça ressemble un peu à ce que font ces petites PME-PMI. À cet effet, je veux citer un passage, cet article paru sur Kalima DZ. C'est la chute de l'article en fait. Cet aspect essentiel ne semble pas être au centre des préoccupations de Kepel et de Sylvie Harkoun. L'un semble reconverti au marketing et cherche à faire une incursion en Algérie qui l'intéresse surtout en tant que marché. L'autre semble motivé par des règlements de compte intrafamiliaux qui intéressent peu les lecteurs. Le président de l'IMA, Jacques Lang, a été bien inspiré de se contenter d'une brève apparition avant l'ouverture de la rencontre, avant de s'éclipser. Il ne tenait sans doute pas à cautionner jusqu'au bout une réunion dont il semble avoir pressenti le caractère douteux. C'est pas peu dire. Eh bien, j'avais oublié ce détail, mais on a vu Jacques Lang faire une apparition, il est venu saluer les invités, et dont Jean Daniel a été, malgré son âge, mis à contribution par Kepel là, pour servir ses dessins. Mais c'est vrai que Jacques Lang n'a pas assisté au débat. Ça, c'est le rédacteur de cet article semble bien informé.
et très attentif à ce détail qui m'avait échappé, moi. Ouais. Moi, je suis parti très tôt. Bon, si vous voulez, Sylvia Kuhn, moi, je respecte l'attachement à son père, sa recherche de la vérité concernant un père, pour elle, mystérieux. Mais ça n'exclut pas les histoires interfamiliales liées au fait que c'est la veuve au Maroc qui hérite des droits d'auteur. Donc on peut comprendre, mais moi je n'accable pas Sylvie Harcoun, hein, elle a tout à fait le droit, parce que toute cette réunion, tout ce qui est dit d'Harcoun en ce moment par Keppel et Sylvie Harcoun, semble destinée à dissuader les gens de lire l'œuvre d'Harcoun, dont on dit qu'elle est compliquée, illisible. Sylvie Harcoun a dit « il me faut un dictionnaire ». Ce n'est pas le meilleur moyen d'encourager les gens à lire son père. Absolument. Alors que les jeunes musulmans instruits ont besoin de l'œuvre d'Harcoun. Ils n'ont pas besoin de potins sur la vie d'Harcoun. Et il semble bien, je ne sais pas, moi je n'ai pas le temps de vérifier, ça ne m'intéresse pas beaucoup, que cette manière de dissuader de la lecture de l'œuvre d'Harcoun est liée au fait que la première famille d'Harcoun n'hérite pas de ses droits d'auteur. Donc, bon. Mais le plus grave, c'est comment quelqu'un qui se réclame de la science islamologique, de la rigueur intellectuelle, se mêle à des opérations de manipulation et d'intoxication qui sont plus à caractère politicien et idéologique que scientifique. Et puis... qui dissimule aussi des calculs très bassement matériels. Ces histoires de contrats avec les éditeurs algériens. Moi, j'ai plusieurs éditeurs en Algérie qui semblent avoir été sollicités, qui m'ont demandé mon avis là-dessus. Moi, j'ai pas le point de vue, j'ai pas le temps d'enquêter là-dessus. Mais eux-mêmes ont été alertés après les visites répétées de Keppel, qui semblent avoir été favorisées par quelques diplomates algériens complaisants. Mais j'ai eu des échos, j'ai pas le temps, mais là, ce que vous me dites là, dans l'article m'intéresse, là, je vais le rechercher. Il faut le lire. Kalima Dezad est très intéressant. Mais je voulais vous demander, il nous reste moins de deux minutes. Au début de mon introduction, j'ai parlé de ces trois Mohammed qui ont demandé à ne pas enterrer dans leur pays parce qu'ils étaient frustrés, ils étaient amers. Est-ce que c'est le cas pour Mohammed Harcoun? A-t-il vraiment demandé à ne pas être enterré dans son pays et à être enterré dans le pays de sa seconde épouse? Ben, je ne crois pas qu'il ait laissé des instructions expresses là-dessus, mais de facto, à partir du moment où il vivait au Maroc et n'est pas rentré en Algérie depuis 1992, je crois, implicitement, son épouse l'a enterré au Maroc. Et en arabe, on dit « Avarbi kulla tarham ». Oui. Harcoun, s'il était resté enfermé dans le cadre étroit tracé par les pères blancs et le berbérisme, il n'aurait pas été connu, même pas à Bidjaya, s'il se réclamait de Tizi Ouzou. Or, il avait une audience mondiale, c'est qu'il était assez universalisant. Il était très attaché au Maghreb, se considérait comme un citoyen de tout le Maghreb. Et moi, j'ai retrouvé, je vais publier sur l'œuvre de jeunesse d'Harcoun des articles censurés par le journal Le Monde, mais qui étaient transférés par une partie de la rédaction du Monde à la police d'Alger en 56-57, ce qui lui a valu d'être interpellé à l'aéroport d'Oran quand il a été en vacances. Or, il a un article destin de l'Afrique du Nord où il plaidait pour l'unité maghrébine après la décolonisation. Il était très engagé, on peut le considérer comme un nationaliste de haut niveau, qui interpellait la France sur le déclin des études islamiques. Il a dit notamment qu'est-ce qui a empêché la France en 130 ans de présence de faire de l'université d'Alger un foyer de rayonnement de la culture islamique moderne au même titre que le Caire. Merci, Sadr Selam. C'est une interpellation très rude et c'est ce côté-là qui nous intéresse et non pas les potins. Absolument. Et les calculs d'un affairiste qui vient aux affaires après ses déboires universitaires. Il ne faut pas oublier que Keppel a été limogé de Sciences Po il y a 3-4 ans. Il faut se demander pourquoi. Voilà. Merci, ces déboires universitaires conduisent à rechercher des transactions plus ou moins licites. Merci. Et l'œuvre d'Harcoun qui devrait intéresser les musulmans, le reste, c'est... Merci. L'œuvre d'Harcoun, c'est l'œuvre d'Harcoun qui est intéressante. C'est l'œuvre d'Harcoun, Mohammed Harcoun, Rabbi Rahmou, qu'il faut lire.
qui n'est pas aussi difficile à lire que le dit sa fille, que le prétend sa fille, puisque c'est une référence en matière islamologique. Merci, en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, wa la khair, bislama.